traverse les pays. C'est comme ça qu'il se fait des amis. Balthazar traverse les pays. Et c'est comme ça qu'il découvre la vie. Balthazar et moi étions en train de jouer à saute-mouton. L'ennui, c'était que... C'est facile pour moi de sauter par-dessus toi, Balthazar. Mais pas si facile pour Balthazar de sauter au-dessus de moi. C'est pas juste, Ganesh. Je crois que je ne pourrai jamais y arriver. Tu ne veux pas essayer encore une fois, hein? Non, je ne joue plus à ce jeu. Eh bien, je trouve que c'est dommage d'abandonner aussi vite. Cascade magique aux eaux profondes, emmène-nous découvrir le monde. Wow, il fait chaud. Dis-moi, Ganesh, où est-ce qu'on est? Nous sommes dans la savane africaine. Et où sont tous les animaux? Je ne sais pas, Balthazar. Et vous cherchez une mare dans le coin, je vous préviens, c'est même pas la peine d'essayer. Cela fait des jours que je marche, et je vous le dis franchement, j'en ai plus qu'assez. J'ai soif, je suis épuisé, j'ai mal aux pieds, et je crois que je vais tout laisser tomber. Oh. Et tes amis, alors? Je n'ai pas un seul ami, et je ne peux même pas trouver une mare pour me rafraîchir et boire un peu d'eau. Oh, le pauvre Rhino! Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Personne ne peut rien faire pour moi. En fait, j'ai plus qu'à rester là sous cet horrible arbre mort pour toujours. Oh. Ah, mon pied! Mon pauvre pied! Une minute, s'il vous plaît. Puis-je examiner votre pied? Oh, allez-y, si ça vous fait plaisir. Mais ça ne changera rien du tout, hein. Aïe! Oh, oh. C'est bien ce que je pensais. Regardez ça. Waouh! Tu avais une énorme épine dans le pied? Oui, bon, vous êtes bien gentils tous les deux, hein? Mais cela n'avance pas à grand-chose. C'est inutile d'aller plus loin, parce qu'il n'y a pas la moindre mare dans les parages, moi je vous le dis. Vous êtes sûr? Je me demandais simplement ce que ces oiseaux font là-bas, alors. Qu'en penses-tu, Balthazar? Eh bien, il semblerait qu'ils attendent leur tour pour boire. Ah ben, Ganesh, il doit bien y avoir une mare là-bas. Oh, c'est toi qui le dis, mon petit, hein. Mais moi, je sais mieux que toi. Hein. Allez, arrête de jouer les grincheux. Ça nous fera pas de mal d'aller voir, non? Allez, on y va. Grimpez, je vais vous déposer. Tu vois, j'avais raison, Ganesh. Youpi! Il y a vraiment une grande mare ici. Hé, hey, regarde! Il y a d'autres rhinocéros. Bon, ils ont dû déjà boire toute l'eau. Puis de toute façon, il ne doit plus en rester pour moi, là. Hé! Hey, regarde qui est là! Ça fait un bail qu'on t'attend, mon pote. On se demandait où t'étais passé. Ouais, on commençait à s'inquiéter, vieille branche. Ouais, moi. Ouais. Il est temps de partir, Balthazar. Au revoir, rhinocéros. Et je suis fière que tu n'aies pas laissé tomber. Ouais, bon, j'étais sûr que tu dirais ça, alors. Allez, viens, Balthazar. Qu'as-tu rapporté, Balthazar? C'est l'épine que tu as retirée du rhinocéros, Ganesh. Regarde, tu trouves que je fais un chouette rhinocéros?